Voilà, c'est chouette. Eh bien, écoutez, on est parti. Bonjour. On va commencer par notre petite présentation du Club Power BI. Donc, le Club Power BI, effectivement, vous l'aurez compris, j'imagine, c'est forcément online. Alors, on est tous là, Covid oblige. On est un petit peu frustré de ne pas pouvoir vous revoir en public, en vrai, mais écoutez, on est déjà très, très content de vous accueillir online aujourd'hui. C'est déjà super. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Guillaume Godefroy, je suis le dirigeant et créateur du cabinet de conseil KPI Consulting. Je suis au passage, j'ai plusieurs certifications sur Power BI pour le coup, et je suis aussi MVP Data Platform. Donc ravi de vous accueillir aujourd'hui. Globalement, on ne va pas faire beaucoup plus long sur moi. Ce qui va m'intéresser, c'est le Club Power BI. Je vous rappelle que ce Club Power BI est un esprit communautaire de partage, d'échange, de courtoisie, etc., etc. On est là pour partager d'une part une passion, d'autre part potentiellement ce qu'on sait, ce qu'on admire, ce qu'on aime bien. Parfois aussi, on a le droit de dire qu'on ne sait pas bien. Le Club Power BI est aussi un site dédié, ça je voulais vous le préciser. Le site dédié du Club Power BI, donc clubpowerbi.com, sur lequel vous avez énormément d'informations, tous nos meet-ups. Qui sont aussi le lien qui vous renverra sur le site Meetup auquel vous pourrez vous inscrire, dont les prochains, on a programmé maintenant tous les 15 jours, globalement, deux fois par mois, il y aura un Meetup durant toute cette période online qu'on va faire. La deuxième chose, c'est notre chaîne YouTube où vous retrouverez d'une part cet enregistrement, bien évidemment, mais aussi et tous les entraînements qui ont pu avoir lieu, notamment nos derniers Meetup qui ont pu avoir lieu depuis un bout de temps. Donc beaucoup de contenu, beaucoup d'heures d'enregistrement, un contenu très riche qui évolue beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Le forum, un point important, forum francophone, on écrit en français, on répond en français, on y répond toujours avec de la courtoisie, on essaye de faire le maximum. Le forum est là pour aider, il n'est pas là pour faire, hein, on ne fait pas pour les autres, on aide, on essaie d'orienter, de vous donner des conseils, des idées, des avis, ça c'est important aussi. On aime bien quand c'est merci, bonjour. Au revoir, c'est toujours très appréciable. Et puis après, vous pouvez aussi suivre l'actu du club sur Twitter, notre grand classique là-dessus, tout va bien. Je continue un petit peu. Club Power BI, c'est alors aujourd'hui online, on n'a plus cette frontière géographique, mais c'est plusieurs régions, vous les connaissez, Paris, Lyon, Strasbourg, Lille, Marseille, Aix-en-Provence, Nantes, avec tous les membres que vous voyez ici. Alors vous les connaissez maintenant, pour ceux qui nous rejoignent. On vous les présente à chaque fois, mais c'est vraiment une équipe de bénévoles. On est tous bénévoles, on fait ça sur notre temps personnel. On fait ça avec beaucoup de passion pour partager un petit peu tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a envie de vous dire sur Power BI. Donc, merci à toutes ces équipes-là. L'équipe est en train de se structurer, de s'agrandir, etc. Donc, plein de choses qui vont arriver par la suite. Petite question dans le chat, je voudrais savoir tout simplement s'il y a des gens qui ne connaissaient pas le club pour. Si oui, sinon, simplement me dire, bah, moi c'est mon premier, moi c'est mon neuvième. On aime bien avoir ce genre d'informations aussi, pour nous c'est important. Le programme du jour est assez simple. On est parti globalement pour, ravi, il y en a beaucoup qui sont des premiers, donc bienvenue, merci de nous suivre pour la première. Le programme du jour est assez simple. Pour le coup, je suis content parce que les nouveautés viennent de sortir avant-hier, tout simplement. Et donc, pas mal de nouveautés que je vais essayer de vous présenter. J'en ai retenu que quelques-unes qui sont pour moi peut-être les plus importantes. Voilà, fallait faire un choix et je l'ai fait. C'était pas forcément évident. Donc j'ai choisi celles qui me sont les plus pertinentes pour moi, en tout cas les plus percutantes, et que mes collègues et mes copains d'autres régions n'ont pas encore présentées. On va commencer tout simplement directement dans le vif du sujet, si vous me l'accordez. La première nouveauté que je voudrais vous présenter, alors c'est plus de la customisation, c'est tout simplement cette chose-là. Donc je vais tout de suite changer d'écran. Bon, voilà, vous devriez mon écran et en haut, je vous fais. Première nouveauté intéressante, avant, quand on ouvrait un rapport Power BI, nous avions absolument rien sur notre écran principal, c'est-à-dire celui-ci. Ici, c'était blanc. Et je trouve ça plutôt intelligent. Ils se sont dit, bah, tiens, il serait quand même pas mal de se dire, on va essayer d'aiguiller un petit peu l'utilisateur qui arrive un petit peu dans cette fenêtre blanche pour les premières fois, pardon, et voir un peu comment on peut démarrer un projet Power BI tout simplement.
Eh bien, ils ont fait cette page de présentation qui permet justement de se dire, tiens, quand je suis un peu perdu, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux orienter des choses? Ils nous ont même fourni ici des jeux de données en exemple, plutôt intéressants, pour commencer à bidouiller un petit peu, faire des petites choses rapides. Ça, c'est la première nouveauté que je voulais vous faire voir qui est plutôt intéressante. Et la deuxième, c'est que quand on ouvre l'application Power BI, vous savez, on a ce joli bandeau qui apparaît marqué Power BI, dont d'ailleurs, pour rappel, quand même, tout de même, c'est important, la nouvelle icône qui est ici, Power BI, qui a changé. Quand on ouvre cette fenêtre, ils ont maintenant ajouté le petit bouton, la petite croix pour fermer. Petit détail, mais des fois, on ouvre plusieurs fois Power BI sans faire attention. Maintenant, on peut fermer avant même que l'application soit totalement ouverte pour la fermer après. Donc, on peut tout de suite quitter l'application, même pendant son démarrage. Une petite nouveauté intéressante. Il y a quelqu'un qui a mis un micro en route, donc je vais me permettre de couper le micro, à moins que quelqu'un veuille participer. Mais fermez bien vos micros si c'est possible, et fermez bien vos caméras, c'est très important. Merci beaucoup. Première grande nouveauté qui est arrivée avec cette version d'octobre 2020, c'est ni plus ni moins que le Dynamic M Query Parameter. C'est quoi? Ce sont les paramètres dynamiques en M, qui sont globalement une très très grande nouveauté. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le Dynamic MQLD? En fait, c'est globalement pour les requêtes qui sont en direct query. Donc, vous savez, c'est ce style de connexion en import, en direct query, on en a plusieurs, qui vont nous permettre justement d'aller chercher des paramètres M et d'interagir directement avec le rapport Power BI. Comment ça marche? Initialement, quand on crée des requêtes Power BI, eh bien, effectivement, on avait l'opportunité, vous connaissez ça tous parfaitement ici, de créer des paramètres qui peuvent donc venir alimenter dans nos requêtes M, en Power Query, de venir envoyer des paramètres de date, de repository, d'adresse de serveur, de nom de client, peu importe, pour pouvoir justement jouer avec ces requêtes. L'inconvénient de ces paramètres, même si, je vous le rappelle tout de même, ils sont disponibles ici dans l'interface Power BI, mais quand on jouait avec ces paramètres, ici, d'accord, le seul problème, c'est que quand on les faisait ici, ça relançait l'intégralité du M, ça relançait le code, ça remettait la moulinette, etc. Et on ne pouvait pas jouer directement avec, et notamment avec le direct query. Ce qu'ils ont fait donc maintenant, et ça devient très intéressant, c'est que donc on va pouvoir jouer avec ces paramètres directement dans le jeu de données et avoir une connexion en live dans Power BI. Comment ça fonctionne? Donc, très simplement, première étape, bien évidemment, vous le savez, vous l'aurez compris, est donc de créer des paramètres. Parce que là, tout va bien. Deuxième étape, c'est que dans la requête M, ici, on va devoir. Alors, j'ai une requête un peu particulière, j'ai pris celle tout simplement que préconisait Power BI. Pourquoi? Ben, le site de Microsoft, parce qu'il y a quand même pas mal de limitations et je vais vous les exposer. Mais ce qui est important, c'est qu'on va donc réimporter ces paramètres, ici, par exemple, dans le code M. Il faut que ce paramètre soit dans la requête qu'on veut piloter. Ça, c'est une première étape que tout le monde sait faire globalement. Deuxième étape, et je vais y revenir tout de suite, et c'est là où la nouveauté apparaît, c'est que maintenant, alors vous n'hésitez pas dans le chat, j'ai un œil sur mon écran d'à côté, s'il y a des questions, si ça ne se passe pas bien, etc. N'hésitez pas à interagir, si je le peux, j'y répondrai en live, bien évidemment. On essaie de garder ce lien hein, dans le club Power BI, toujours avec vous, les échanges, c'est pour nous très important. Donc n'hésitez pas. Dans nos paramètres ici, donc on va retrouver notre table classique qu'on a importée ici. Et une petite nouveauté maintenant, c'est qu'on va devoir faire une table en DAX, ou pas d'ailleurs, une DAX, une table où on va utiliser cette table qu'on va créer pour pouvoir jouer avec nos paramètres. En gros, c'est quoi? Dans mon exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé un paramètre de date de début et de date de fin. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai donc créé une table ici, toute simple, petit code DAX, mais alors. Très 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 simple pour vos yeux ici, je vais un tout petit peu l'agrandir. Une table simplement qui me crée une table de calendrier avec un bornage de date. J'en ai fait une pour ma date de départ, pour mon premier paramètre, et une deuxième pour mon deuxième paramètre. Cette trois tables-là va me permettre d'alimenter justement les liens avec mes paramètres même. Une fois qu'on a créé ces deux tables, et c'est là où ça devient très très intéressant, d'accord? C'est qu'on va aller pouvoir y jouer et relier notre table
à nos paramètres. Petite nouveauté, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, ma table de date et ma table de fin, date de début, date de fin, qui me donne une liste de dates à laquelle je vais pouvoir jouer. Eh bien, je vais cliquer sur ce paramètre et petite nouveauté tout en bas dans les options avancées ici, je vais un petit peu zoomer. Eh bien, dans les options avancées, quand je suis sur ma table, eh bien, dans mes options avancées, j'ai un nouveau ici, un petit menu qui apparaît, qui s'appelle « Lire aux paramètres ». Et ça veut dire que je vais pouvoir dire, quand je joue avec ma table en Power BI, ma table date, automatiquement ici, je vais le relier mon paramètre qui lui va donc venir remettre à jour la requête direct query qui est en règle. Là, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la dernière version de Power BI? Si vous l'installez via le store, vous n'avez rien à faire. Simplement aller dans le Windows Store, ici, hein, qui est le petit bouton. Soit vous forcez l'update, mais en théorie, ça se fait tout seul. Si vous ne l'avez pas installé via le store, pour plein de raisons, vous devez aller sur le blog de Microsoft ou sur le site de Microsoft, télécharger manuellement votre version et l'installer. OK? Oui, pour Laurent, c'est bien un Power BI classique desktop, tout simple, rien de particulier, ce n'est pas soumis à licensing particulière, c'est la dernière version d'octobre. Donc, j'ai bien relié mes paramètres, et ce qui va être intéressant, alors, attention, première chose que je dois vous dire, toutes les sources directes query ne sont pas prises en charge à ce jour dans cette version-là. Aujourd'hui, tout ce qui est basé sur du Transact SQL, faire simple, Transact SQL, donc tout ce qui est SQL as Server, tout ce qui est Azure SQL de Database, tout ce qui est de Synapse, etc., ne sont pas pris en charge encore avec ces Dynamics M Parameters. Tout ce qui est Azure Analysis Services, tout ce qui est AS en fait, SQL Server Analysis Services et les jeux de données pour BI ne sont pas non plus encore éligibles à cette fonction. Okay, donc pour l'instant, c'est un petit peu restreint et donc j'ai pris le choix d'aller sur un Azure Data Explorer. Alors, présentation rapide de Azure Data Explorer pour la faire simple. Je vais donc prendre mon autre écran ici, mon écran de droite, voilà, que vous devriez voir. Et dans mon Azure Data Explorer, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un entrepôt, pour faire simple, hein, un entrepôt de données qui est sur Azure, mais qui a une vocation importante qui est là pour faire du big data. Donc, c'est un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. J'ai pris un jeu de données très simple que j'utilise, qui sont des événements sur GitHub qu'on vient lister. Et donc, cette interface-là, en fait, il peut utiliser deux langages. Le SQL, le Transact, le SQL, comme je vous l'ai précisé à l'instant, il n'est pas encore supporté. Et cette même interface, donc le Azure Data Explorer, peut aussi utiliser ce qu'on appelle du Custo. Le Custo, c'est du KSQL. Hein, c'est le Custo Query Language, qui est un autre langage qui est dédié justement pour ce big data. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, c'est simplement pour vous faire un exemple. Vous remarquerez ici que dans ma database, donc ici, je viens de le lancer, ma base qui est derrière comporte 1,604 milliard de lignes. Autant dire une belle volumétrie. OK? Juste pour vous faire voir un petit peu la puissance de feu de cet outil-là, hein, le KSQL. Ici, donc sur les 1,6 milliard de lignes, j'ai simplement envoyé une requête d'exécution très simple qui vient tout simplement me faire un summarize. Hein, le langage ressemble un petit peu à du DAX, un petit peu à du SQL, il y a un peu tout dedans. Et ici, en fait, vous avez vu la puissance de feu, c'est-à-dire qu'en moins de 7 millisecondes, il a enregistré l'agrégation de 1,6 milliard de lignes en 15 lignes. Donc, la puissance de feu, elle est juste complètement impressionnante. On peut faire des choses très, très intéressantes. Hop, je vais revenir ici sur celui-là, pardon. On peut faire des agrégations un peu plus poussées. Vous voyez, les 1,6 milliard de lignes sont bien ici. Je peux aller jouer avec. Le but, ce n'est pas que je vous fasse voir de l'Azure Data Explorer. Ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, donc je reviens sur mon autre écran ici. Le but ici de cette opération, de ce que je vais vous faire raconter ici, c'est quoi? C'est que je vais donc pouvoir me connecter en direct query à cet Azure. OK? Et en direct query, je vais donc aller pouvoir aller lire en temps réel le jeu de données. Bien évidemment, je ne vais pas ramener 1,6 milliard de lignes dans mon rapport Power BI. Et donc, l'intérêt est de venir faire une requête qui va aller lire ça, dans lequel j'ai intégré des paramètres de date et donc je vais aller jouer avec. Je reviens rapidement dans Power Query.
Juste pour information, ici, dans ma requête, je vais pas venir dans le code SQL, dans le code M, pardon, un peu compliqué, mais globalement ici, j'ai fait des filtres sur des dates et sur ce qu'on appelle des repositories. En gros, c'est sur quel entrepôt je vais aller topper. Dans mon paramètre en M, je lui ai mis quelque chose en dur pour l'instant. Hein, je vais aller dans mon paramètre ici, tout simplement, je vais aller le gérer. Hop. Et dans mon repo name ici, pardon, excusez-moi, hop, je vais revenir ici. Dans mon repo name ici, bon, je lui ai dit que je lui donne une valeur par défaut. Ça veut dire que ce repository Microsoft VS Code, eh ben, tout simplement aujourd'hui, en dur, il m'envoie 524 025 lignes. Bon, très bien. L'idée est de pouvoir jouer avec quelle est la démarche. Et donc, je vais aller ici voir ce qui se passe. Eh bien, en temps réel, ici, si je change le bornage de date, je vous rappelle tout de même comment ça fonctionne, encore une dernière fois, c'est que mes dates, mes end et mes start date sont bien reliés à ce nouveau paramètre ici, qui est ça, et le paramètre M. Donc, va en temps réel hein, mettre à jour cette requête M. Eh bien, on va faire un test. Si ici, je vais prendre une autre date, par exemple le 24, qu'est-ce que fait en temps réel M? Il vient directement mettre à jour la directe query. Je vous rappelle que la donnée en requête directe query qui va travailler sur le back-end, donc sur Azure, ne stocke rien hein, dans Power BI. Il n'y a pas d'import, ce n'est pas en memory. Et donc, en temps réel, quand je vais changer ce paramètre, grosse nouveauté, je vais donc pouvoir piloter ma requête. Énorme avantage métier, je vais vous en donner un tout de suite. C'est que des fois, on se dit, bah ouais, tiens, mon collaborateur va devoir faire une analyse sur une semaine, trois semaines, deux ans. Et donc, par sécurité, je vais ramener deux, trois, quatre ans d'historique. Mais parfois, il va me faire analyse que sur une semaine. Et donc, à chaque fois qu'on va jouer avec quelque chose, la requête qui est en direct query va aller travailler sur le serveur en back-end, d'accord? Et donc, potentiellement, ramener beaucoup trop de lignes par rapport à un usage métier. Oui, effectivement, et pour l'instant, SQL n'est pas encore supporté, mais... je pense qu'ils vont le faire, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. L'idée ici, c'est de dire à un métier, tu nous ramènes uniquement ce que tu as besoin en live sur le serveur. Alors, bien évidemment, attention, deux grosses limites. Bien évidemment, la première limite, c'est que si mon utilisateur me renvoie 15 ans d'historique, eh ben, il peut que derrière, si je suis en prod, le serveur il met tellement de temps à répondre que ça fout le bazar au niveau des prod, que Power BI ne réponde pas, etc. Donc, il y a des limites. Il y a des astuces, bien évidemment, en M pour limiter ça et ou dans la requête en back-end et ou dans la requête même en M pour lui dire bah, tu ne peux pas dépasser 3 mois, si c'est 3 mois, je te remets, etc. Il y a des astuces. Mais vous avez vu que c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment très bien. Et dernière chose, vous avez vu que dans mon code M, pour l'instant, j'ai beau cliquer sur un nom de repository, vous remarquerez que mes graphiques, eux, ne bougent pas. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, dans ma requête, j'ai bien ici mis une petite table avec une liste de repositories. C'est simplement que je n'ai pas appris à Power BI à lier ma liste des repositories avec mon paramètre M. Attention ! Il faut impérativement que le style, le type de données dans le paramètre M soit le même que le type de données que vous lui demandez de relier, sinon ça ne marchera pas. La preuve, ici, il ne me propose pas mes paramètres de date, parce que ici, c'est bien un type de données de texte. Si je le relis, d'accord, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose sur votre écran. En revanche, maintenant, je peux lui dire d'envoyer dans ma requête un style de client, de repository, d'article, etc. Quand je vais cliquer sur mon VS Code, il m'a bien renvoyé quelque chose. Et si je type sur une autre typologie de repository, maintenant c'est relié. Ça veut dire que la requête est aussi dynamique. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est pas mal, tiens, je vais faire une double sélection. Aïe, mince. Pourquoi? Ça, c'est aussi un niveau de sécurité supplémentaire. Je vais tout simplement ici faire la chose suivante. Petite nouveauté. Ici, je vais lui dire, est-ce que j'autorise la sélection multiple? Attention! Attention en M avec vos objets listes à comment la requête va l'interpréter. Attention! Donc ici, je vais vous faire voir la démarche du code. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça fonctionne. Et bien maintenant, si je prends une double sélection, vous remarquerez que j'ai bien cumulé deux repositories. Donc ça, c'est vraiment pour moi une super nouveauté que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Vous rappeler aussi que voilà sur des jeux de données comme ça, c'est vraiment puissant, avec cette limitation bien évidemment de ça ne marche pas en transact, ça ne marche pas sur les AAS, etc. Bon, première nouveauté. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez interagir avec nous sur le chat. En plus, on a Tristan et Jean-Pierre. Donc
vous faire un plaisir de vous y répondre si je ne l'aurais pas fait. Bonjour Tristan, bonjour Jean-Pierre. Je passe à une autre nouveauté, donc celle-ci, voilà, vraiment pour moi, c'est vraiment un truc important qu'il fallait donc je vous parle. Autre nouveauté, ça tombe bien parce que je suis content de vous faire le lien avec le meet-up qui a eu lieu il y a quelques jours avec nos amis, notamment de Nantes, qui était sur les outils externes, les external tools. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous refaire quelque chose sur les external tools. En revanche, il y a une nouveauté qui est sortie qui me demande d'utiliser un external tools. Okay? Cette nouveauté, c'est ce qu'on appelle les perspectives. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, la nouveauté aussi, maintenant, elle est sortie avec ça. C'est-à-dire que depuis maintenant un bout de temps, hein, vous avez, alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour vos petits yeux. Ici, vous avez en théorie, depuis un bout de temps maintenant, cette petite icône. Cette petite icône, elle est magique. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre d'autoriser l'utilisation de l'utilisateur qui est sur le Power BI Service, sur le web. Okay. De pouvoir autoriser la modification d'un visuel directement. Je vais vous faire voir concrètement comment ça se caractérise, cette histoire. Je vais donc changer d'écran. Hop. Boom, ici. Je vais changer d'écran rapidement et je vais vous faire voir ce qui va se passer quand on est sur le rapport qui va bien. Vous m'accordez une seconde, voilà, parfait. Et je change d'écran. Quand je change d'écran ici, eh bien, je vais prendre un exemple. Vous voyez que quand je suis sur le Power BI Service, je vais le mettre en full screen, c'est quand même beaucoup plus joli. Ici, cette icône apparaît. Donc, elle est désactivée. Hein. Je vais vous le faire ça en double écran, comme ça, vous le verrez bien. Ici, quand vous l'avez dans le Power BI d'un côté, ici, dans le Power BI Service, quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien. En revanche, quand vous cliquez sur le Web Service, ici, il y a quelque chose qui apparaît. On peut gérer pas mal de choses. Je vous viendrai après. Voilà l'intérêt métier. Comment ça marche? Eh bien, initialement, quand on cliquait dessus, on avait l'intégralité des tables. Je reprends mon exemple sur Power BI Service. Ici, eh bien, quand je vais changer un axe, j'ai toutes les tables de mon modèle. D'accord? Et dans toutes mes tables, j'ai toutes les mesures. Donc, pour un utilisateur, entre guillemets, qui ne connaît pas nécessairement votre modèle, qui n'est pas forcément à l'aise avec tout ça, ce n'est pas forcément facile. Et donc, la perspective, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été intégré, qui existe depuis bout de temps, hein, dans AS, hein, c'est très connu. Maintenant, ils l'ont mis en place sur ça. Pour y accéder, je vous invite à revoir le meet-up des quelques jours avec nos amis de Nantes, Paul, Mohamed, etc., et toute la troupe, qui ont fait un super travail de presse là-dessus. Je vous invite à aller les voir. Et donc, on va lancer Tabular Editor pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est dans Tabular Editor que ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Tabular Editor, c'est donc connecté directement à mon jeu de données, hein, qui est Power BI. Je ne vais pas refaire l'explication qu'ont pu faire les gens. Moi, ce qu'ont pu faire Paul et Mohamed et toute l'équipe, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir un petit peu ce qui va se passer. Non, ici, on a cette notion de perspective dans Tabular Editor. Cette notion de perspective va faire la chose suivante. Eh bien, tout simplement, on va créer des perspectives. À quoi ça sert une perspective? Ça va être tout simplement un petit peu ce qu'on fait à l'instar des mesures dans Power BI quand on les classe dans un dossier. Et bien là, on va pouvoir lui dire, quand je suis sur ma vue, j'ai droit à telle table. Quand j'ai droit de voir, attention, hein, telle ou telle table. Et quand je suis, par exemple, une nouvelle vue, quand je fais la vue numéro 2, eh bien, je suis capable de voir telle ou telle table. OK? Une fois qu'on a créé ces perspectives, c'est plutôt très, très simple. Alors, je vais vous la faire en mode marrant. C'est qu'ici, on a peu de tables, mais souvent, dans des jeux de données un peu plus conséquents, on peut avoir un peu plus de tables. Alors, ce n'est pas forcément super cool. Je vais dire, bah, tiens, dans la vue 1, je veux que tu puisses voir toutes ces tables. Toutes ces tables, il va falloir que je fasse quoi? Un petit bouton droit. Et je vais dire, tiens, un show perspective dans la vue 1. Donc, toutes ces tables vont instantanément passer en vue 1. D'ailleurs, quand je clique sur une table, vous remarquerez ici en bas que true, ici je vais zoomer, true pour la vue 1, false pour la vue 2. Okay? Et donc ça veut dire que si je veux d'autres tables, eh ben, je vais dire tiens, dans ma vue 2, je veux que le client final ne puisse changer mon visuel uniquement par client, peut-être par des projets et peut-être par des régions. Okay? Alors moi je me suis amusé un petit peu ici de faire des scripting avancés.
Et je me suis créé mon propre scripting où je voulais dire, bah tiens, au lieu de le faire à la main, je lance un script qui va me le faire directement. OK? Donc ici, je lance mon script et vous remarquerez instantanément ce qui s'est passé ici avec mon script. C'est que mes tables clients sont bien ici passées. Hop, on va se le refaire. Je reprends ma table client, je retombe à pop projet ici. Je reprends mon script. Si je ne prends pas le bon, ça risque de ne pas aller. Voilà, je vais faire un table. Et je vais simplement l'exécuter et vous remarquerez instantanément que ma table client, maintenant en théorie, est bien passée en vue 2. Par contre, ma table pointage, non. Et ma tâche projet, oui. Donc, je peux aussi automatiser ce genre de maintenance. Parce que quand on a des modèles à 30, 40 tables, ça peut arriver, ça peut être un peu fastidieux. Donc, on peut coder en tabular, pas de problème. Une fois que j'ai fait ça, plutôt intéressant. Alors, on va y aller. On va faire ça directement dans Power BI. Eh bien, dans mon tabular editor, hop, je vais bien évidemment enregistrer mes modifications. Et instantanément ici, dans votre modèle, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on va remarquer que dans le rouleau de peinture de la page, il n'y a pas du visuel. Pour l'instant, et ça, c'est l'une des nouveautés, avant, on pouvait le faire sur le rapport entier. Maintenant, on peut descendre au niveau de la page. On peut dire deux choses. Est-ce que déjà, j'autorise, est-ce que ce visuel en bas, est-ce que ce visuel, je l'autorise ou pas, première étape, à être personnalisé? Ça, je peux le faire au niveau du visuel. Chaque visuel, je peux lui dire, est-ce que j'autorise ou pas le changement sur le web, okay, de l'interface, etc. Deuxième nouveauté, maintenant, ils ont fait un pilotage au niveau de la page pour les perspectives. C'est ici que ça devient intéressant. Et bien, dans mon rouleau de peinture, je vais remarquer en bas, parce que j'ai autorisé cette option. Alors, je vous rappelle tout de même que pour activer cette fonctionnalité, elle est maintenant en Generate Availability, c'est-à-dire qu'elle est maintenant tout le monde là, mais tout de même, il faut penser à aller dans la liste, dans Fichier Options Options. Et dans ce Fichier Options Options, pendant que ça charge, je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas de questions sur le chat auxquelles mes compères n'auraient pas. Bon, apparemment, ça rigole bien, c'est cool. tout va bien. Ici, vous remarquerez que dans vos paramètres de rapport, tout en bas, vous avez ici cette case qui n'est pas par défaut cochée. C'est-à-dire que si vous voulez activer l'autorisation au lecteur de rapport de personnaliser un visuel, vous allez devoir le faire ici par rapport. Okay? Une fois que vous l'avez activé, vous avez donc tout ce que je viens de vous faire voir. Et donc, dans cette page, je vais dans le rouleau de peinture, et donc on a ce petit nouveau ruban qui apparaît, cet accordéon qui apparaît, dans lequel je vais pouvoir lui dire, est-ce que j'autorise l'intégralité du modèle ou, maintenant en théorie, donc je vais revenir dans mon AS parce que ce n'est pas logique qu'il ne me l'ait pas fait. Alors, je pense que je suis sur le bon pourtant. Ouais, je vais revenir ici, parfait. Je vais ici l'enregistrer. En théorie, il devrait quand même voir les vues, sinon je vais peut-être redémarrer Power BI, ce n'est pas gênant. Alors des fois, ce n'est pas tout à fait instantané. C'est le cas ici, pas gênant. On va juste redémarrer ce modèle. Hop, je vais redémarrer une seconde, vous m'accordez quelques secondes. Voilà, hop, je vais le redémarrer tout de suite. On va attendre quelques instants pour qu'il redémarre. Et une fois qu'on a paramétré ses vues dans Power BI, la petite croix, je croyais tout à l'heure, est ici. Quand on aura redémarré ça, en théorie, mes vues devraient apparaître, j'espère. Sinon, c'est l'effet démo, mais ce n'est pas très grave. Je suis assez confiant. Et une fois qu'il aura fait ça, on va pouvoir paramétrer l'outil et lui dire, quand je suis à quelle table ou ça ne serait plus tardé. Parfait. Je devrais retrouver en théorie dans ma page, sinon c'est que j'ai un petit souci. Je devrais retrouver ici dans ma page, dans mon rouleau de peinture, comme je vous le disais à l'instant, tout en bas, je devrais retrouver, pas mes cartes de feed, celle-ci, pardon, je devrais retrouver ici des vues, celles que je viens de créer dans Tabular Editor. Okay, vue 1, j'ai dit c'est toutes les tables. Bon, et bien moi je vais autoriser ici dans la page à lui dire, et bien je ne vais autoriser que pour ce visuel-là que le 2. OK? En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer quand je vais publier sur le web? Alors, on va le faire ensemble. Je vais donc publier ce rapport parce que cette fonction n'est, entre guillemets, que visible quand on est sur Power BI Service. Je publie. D'accord? Il va y avoir l'étude d'impact. Voilà, il me dit, attention, c'est branché sur telle ou telle chose. Le temps que ça publie, en quelques instants, maintenant, moi, je vais retourner une fois qu'il a publié. Je vais changer d'écran et je vais aller sur le web pour voir un peu ce qui s'est passé. En théorie, quand la roue s'arrête comme ça, c'est plutôt bon signe, c'est que ça devrait être bon. On va attendre quelques instants. Voilà.
Voilà. Et une fois que c'est bon, je switch d'écran. C'est parfait. Il m'a dit que c'était OK. Le temps pour moi d'aller vous faire voir mon autre écran, voilà, que vous devriez voir. Et donc ici, je viens de réuploader mon rapport. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je clique sur ça? Vous allez remarquer que quand je vais cliquer sur un axe, je n'ai plus que mes trois tables. Je n'ai plus donc l'intégralité de mon modèle. Or, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est de se dire, bah tiens, quand je suis sur, par exemple, la table des clients, je n'ai pas besoin d'avoir l'intégralité de ma table des clients. Je reviens sur mon écran ici à côté, je retourne dans mon tabular editor, OK? Alors, je vais juste faire quelque chose par acquis de conscience, vu que je l'ai fermé, je vais quand même relancer mon tabular editor avec la bonne connexion, parce qu'il a en théorie changé de port de connexion. Et quand je suis ici, ce qui va être marrant, c'est que je vais pouvoir faire la même chose. Ça veut dire que dans ma table des clients, si je n'autorise l'utilisateur final à n'avoir que le client et le regroupement, eh bien, tout simplement ici, vous allez retrouver la même chose. Ça veut dire que dans vos perspectives, je vais lui dire que c'est OK pour la vue 2. Et donc ici, je vais lui dire que ça, ça, ça et ce champ-là, par exemple, je vais lui dire que c'est du false. OK? Vous aurez compris la démarche. Je peux donc aller un peu plus loin. Je vais enregistrer. OK? En théorie, ici, il devrait avoir pris la modification. Je vais quand même le vérifier. Je vais le republier, on verra bien. Je n'ai pas un report ABI, ça devrait le faire en live. Hein, c'est du XML-là, ça n'aurait pas posé de problème. Je vais donc republier ce rapport. Et pendant qu'il travaille, voilà, je le remplace. Je vais aller sur mon autre écran. Je vais sortir d'ici pour l'instant. Je vais attendre quelques instants que mon autre soit publié. Et quand ça sera publié, en théorie, dans la table de clients, je ne devrais voir que trois mesures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut proposer une interface sur mesure au cordeau, par visuel ou par page aussi, et lui dire ce visuel-là, je peux ou je ne peux pas, et qu'est-ce que je peux changer dans mon modèle, hein, dans mon visuel. Je vais faire le test, je rafraîchis Power BI sur le web. Voilà, le temps qu'il s'affiche, je me remets en full screen juste pour le plaisir des yeux. Et en théorie, si ça se passe bien, dans ce visuel-là, ici, dans la table client, je n'ai bien plus que deux champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon utilisateur, il ne va pas pouvoir me dire, bah tiens, moi, je ne voudrais pas quelque chose par projet, etc. Si je le veux par client, je vais tout simplement ici me rajouter un axe client. D'accord? Je vais utiliser mon axe client. Et ici, je vais pouvoir jouer avec. Et donc, venir modifier mon rapport à la guise. Si je ne veux le plus comme ça, je le veux dans ce sens-là ou dans tel sens, peu importe. Une fois que j'ai fini ma modification, quand on est ici, je peux revenir, si j'ai fait toute bêtise, ici, je vais pouvoir revenir en lui disant, attention, redonne-moi tel que le créateur initial m'avait fait. Si je réinitialise, je retrouve mon rapport initialement tel que je l'avais publié. D'accord? Je peux aussi modifier le type de rapport. Est-ce que je le veux en barre, en machin, etc. Tout ce que je veux. Et petite observation, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici j'ai des icônes particulières. Pourquoi? Ce sont des custom viz que j'ai importés dans mon modèle et que j'ai épinglés. Et donc si je les épingle, elles se retrouvent ici. Donc je peux aussi autoriser l'utilisateur final à venir modifier ça avec un custom viz. Donc globalement, moi je trouvais ça assez génial. Alors juste pour entre guillemets le fun, vous savez qu'ici, après, on peut documenter ça. Donc, il y a un autre external tools qui fonctionnait. Je peux m'arrêter dessus parce que je ferai un autre club Power BI sur cet objet-là, le SQLite, qui gère la métadonnée, entre guillemets, les metadata de Power BI. Et donc, je vais pouvoir documenter sur quelle table est visible, dans quelle vue, à quel endroit, quelle mesure, etc. Donc, on peut aussi documenter ça parce que quand on a 20 tables, 30 tables et que dans la table, on n'a qu'un champ, ça peut être rapidement le bazar. Okay? Donc là, je reviendrai un petit peu, mais on peut en live documenter son modèle d'une façon très simple. Ça, c'est quelque chose que je vous présenterai plus dans le détail dans un prochain meet-up. Okay. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté. Enfin, pour finir sur tout ça, ce qui va m'intéresser aussi maintenant, c'est que je pense que vous le savez, Teams, sur lequel vous participez aujourd'hui à ce meet-up, est devenu un outil centralisateur. Ils sont en train de faire converger un maximum d'outils sur tout ça. Okay? Je vais revenir sur mon écran ici. Et donc, dans Teams, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir jouer pardon, avec Teams et venir épingler des choses. Alors, je me rends compte que c'est un peu ballot,
parce que j'ai pris, pas maintenante, mais on va essayer tout de même de le faire quand même, dans l'outil Teams. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais me mettre ici sur une équipe. Pardon, je cherchais mon mot. Voilà, parfait. Quand on est dans Teams, hop, le lab, je me mets ici sur une équipe. Vous ne voyez pas pour l'instant et c'est volontaire. Voilà, parfait, parfait. Je vais me mettre sur cette équipe. Je vais donc partager mon écran. Et dans Teams, en fonction des versions que vous avez de Teams, ok, eh bien, il y a quelque chose qui est sorti, qui est tout nouveau, là, qui date de ce mois-ci, qui n'est pas lié à l'update de Power BI Desktop en lui-même, mais qui est très importante comme nouveauté. Parce qu'on parle souvent des nouveautés de Desktop, mais on ne parle pas souvent des autres. Et celle-ci est très importante. Dans les trois petits points qui est ici, il y a une nouvelle application qui s'appelle Power BI, qui est une application qui va s'inscrire au même titre, qui va pas se mettre dans une équipe, qui va pas se mettre dans un canal, qui est vraiment une application à part entière. Okay? Et ici, dans l'application à part entière, je vais donc pouvoir venir épingler directement un rapport Power BI ici, d'accord, directement dans le Teams. Et je veux faire aussi un petit bouton droit en lui disant « Et si tu me l'épingles ?» Ça veut dire qu'elle ne veut plus se cacher, elle sera toujours, toujours épinglée au même titre que les conversations, que les équipes et le calendrier. Ça sert à quoi? L'objectif d'ailleurs, c'est clairement annoncé sur le site dans cette nouveauté, c'est qu'on n'a quasiment plus besoin d'aller sur le web. D'accord? L'idée, c'est de dire « On a Teams et je vais pouvoir faire du Power BI. Je vais pouvoir même directement, dans une application, faire du Power Apps. Je vais pouvoir ici intégrer un Power Apps directement dans le Teams et le pinguer. Donc, je n'ai plus besoin d'aller sur le web. Le Power App Studio va directement dans Teams. OK? J'ai aussi Power Automate, etc. Donc, toute la suite de la Power Platform va s'intégrer dans Teams. Et après, vous allez retrouver des fonctionnalités très intéressantes, comme par exemple, quand je suis, alors je n'ai pas prévu ce coup-là, mais quand on est sur un rapport, d'envoyer directement, je vais vous prendre un exemple très concret, je vais retourner sur mon exemple ici. Vous avez vu qu'ici, on peut directement converser dans Teams sur un rapport. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Eh bien, ça va avoir comme impact de dire, tiens, envoie-moi un message dans le canal, comme quoi sur ce document-là, sur cette page-là, par exemple, je suis surpris du chiffre. Ici, je vais dire coucou, machin, etc. Je vais donc envoyer ça dans un canal. Par exemple, je ne sais pas, un canal, prenons un truc, je vais moi aller Club Power BI. Eh bien, dans le Club Power BI ici, je vais pouvoir partager une nouvelle en lui disant, et quand je clique sur le lien, ça me renvoie directement dans la bonne page avec le bon commentaire et ça permet de ne pas se polluer avec des mails. Hey, t'es sur ton chiffre de la veille, etc. Tout est vraiment intégré à Teams. Ça, c'est la chose importante. Par rapport à la stratégie, vous avez remarqué qu'ici, ça demande une manipulation. Quand je suis dans le Teams, ça demande une certaine manipulation. On peut forcer ça. Ça veut dire qu'automatiquement, on va inscrire proactivement cette application dans le Teams. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on va tout simplement aller dans la partie administration de Teams. Okay. Et dans cette partie administration de Teams, alors je vais la faire très simple, hein, je ne vais pas vous faire voir tout le portail d'administration, ce n'est pas la question aujourd'hui. Ce qui va être important, c'est de voir comment on peut forcer ça. Eh bien, ici, vous avez le centre d'application de Teams. Et dans ce centre d'application de Teams, ici, je vais me connecter avec mon profil. Pas de problème. Et dans ce profil, eh bien, on va devoir aller dans ce qu'on appelle la stratégie, dans les stratégies d'application. Ici, on a bien ce qu'on appelle les stratégies d'application qui doivent être ici en théorie. Ouais, c'est bien ça, dans les applications Teams. Et dans les stratégies de configuration, okay, eh bien, je vais avoir ici, par exemple, j'en ai créé une spécifique où je vais leur dire, pour tous les utilisateurs de mon tenante, je vais aller forcer ici l'inscription directement dans Teams de mes trois applis de la Power Platform. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur maintenant va ouvrir son Teams desktop, pris en bureau, lourd, il aura automatiquement épinglé ça. Il n'aura pas à faire la démarche. Donc voilà, ils ont vraiment pensé à tout, même à pouvoir l'inscrire de façon, entre guillemets, à la déployer de façon un petit peu arbitraire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est une jolie nouveauté. Je voulais vous en faire part. Sur ce que je viens de vous expliquer, c'était les trois nouveautés que moi j'avais identifiées. Je voudrais simplement savoir si, avant de passer à la deuxième thématique, s'il y a des questions dans le chat. Je vais me permettre donc d'y jeter un petit coup d'œil, voir si mes compères ont peut-être répondu à d'autres choses.
Y a-t-il des choses intéressantes? Y a-t-il des choses que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que je peux continuer? Apparemment, il n'y a pas de réaction, donc c'est que tout va bien. Parfait. Voilà sur les nouveautés. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'était plutôt un retour d'expérience. Ce retour d'expérience, en fait, c'est j'ai un client hein, qui m'a dit, bah voilà, Guillaume, j'ai un parc. Alors, un parc, on va dire, d'IoT. Alors, le terme est un peu galvaudé, parce qu'on y met tout et n'importe quoi. Je fais très gaffe parce qu'on a le spécialiste des IoT, hein, qui est Jean-Pierre, mais l'Internet of Things, hein, l'Internet des objets, en fait, les objets connectés. J'aimerais bien avoir la consommation en temps réel sur mes machines, combien elles consomment, quelle puissance elles absorbent, est-ce qu'elles vont bien, est-ce que tout ça, est-ce que c'est bon? Et rapidement est venu le besoin aussi de dire, ben, j'ai besoin de récupérer cette information de mes machines pour pouvoir faire du contrôle de gestion tout simplement et leur dire ben, quel est le temps de répartition du temps des machines, combien ça me coûte, etc. etc. Okay. De fermer celui-ci. Voilà, je vous envoie mon rapport. Donc le principe est celui-ci. Ça, c'est le cas concret. Plusieurs approches sont venues. Plusieurs approches. Ces informations-là sont connectées à des API, d'accord, qui en sortie me donnent du JSON. Première étape, je me suis dit donc, comment on va aller récupérer ce JSON? La première étape qui m'est venue à l'esprit, il y a plusieurs possibilités. C'est de donc, je prends le bon écran, ce sera plus simple pour moi. Trois choses. On peut venir récupérer l'information en real time, vous savez, dans Power BI. Je vais vous faire voir rapidement le real time dans Power BI. Dans un espace de travail, ici, ben, je vais prendre celui-ci, l'espace de travail. Vous pouvez, ici, créer un jeu de données, ce qu'on appelle en real time, hein, du streaming. Pas très compliqué. Alors je me suis dit, ça c'est pas mal parce que je pourrais récupérer l'information de mes machines en temps réel avec le support de Power Automate. Allons voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je vais faire deux choses. Est-ce que je peux faire comme ça? Oui, ce serait pas mal. Je vais donc vous faire voir un exemple de dashboard. Hop, je vais venir ici. J'ai créé un exemple de dashboard dans lequel, pardon, dans lequel ici, je vais ouvrir ce tableau de bord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me suis dit, je vais aller dans Power Automate. Je vais aller me créer un petit flow. Donc là, on est vraiment dans la Power Platform. L'idée, c'est l'interconnexion des outils. Et de dire par récurrence, toutes les mois, toutes les semaines, tous les jours, toutes les X minutes, potentiellement. Je ne vais pas vous faire voir le code de l'API, parce qu'il y a des informations un petit peu, entre guillemets, pas confidentielles, mais un petit peu, qui va me chercher ici, par des méthodes ici d'API, aller consulter l'API. L'API me sort un JSON que je vais venir travailler, OK? Et puis, à intervalles réguliers, je vais tout simplement venir injecter dans mon cube real-time de Power BI cette information-là. OK? Faisons une démonstration. C'est bien mieux que des grands discours. Alors ici, je vais tout simplement exécuter ce flux, d'accord? Je run mon flow, comme le dirait, et je vais attendre le temps qu'il ait consulté mes API, boum! En temps réel, j'ai rien fait, vous aurez remarqué que j'ai pas bougé, j'ai mis les mains en l'air volontairement, donc je peux automatiser ça par un real-time. Très simple, rien de très novateur. En revanche, deux limitations importantes. Le premier vient du licensing. Pourquoi? En fonction d'un niveau de licensing, globalement, vous avez entre 2000 et 5000 exécutions par jour. Okay? L'intérêt, ici, dans le flow, c'est de récupérer quasiment en temps réel les données de mes API. Ce qui veut dire que si on a une limitation, allez, j'exagère, de 5000 exécutions, c'est déjà un plan sympa. Eh bien, si j'ai une journée, dans une journée, je vais récupérer, par exemple, je dis à intervalles réguliers, toutes les 5 secondes, par exemple, mes données de mon API. J'ai fait un calcul rapide, je ne vais pas vous le faire, mais globalement, une journée de 3600 secondes, etc. Si je divise tout ça, c'est-à-dire qu'il va me falloir 17 000 exécutions dans la journée pour pouvoir récupérer toutes les 5 à 10 secondes les informations qui sont extraites. Donc, première limitation, c'est bien comme idée parce que je génère du temps réel. C'est bien ici parce que c'est pas mal, mais je vais avoir cette limitation dans le nombre d'exécutions. Je vais être bloqué. Donc, celle-là, je dis, bah, je la mets de côté. Deuxième possibilité,
Alors là, c'est bien aussi assez marrant. Je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire depuis Power BI? Je m'explique. Donc ici, on va retourner sur mon autre écran. L'idée, c'est de se dire, eh bien, je ne sais pas si vous le savez, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un sujet un peu technique, mais on pourrait imaginer se dire, grâce à l'option dans Power BI, ici d'actualisation automatique, okay. Eh bien, quand j'actualise automatiquement, je peux donc ça vient vite à mettre à jour mes requêtes Power Query pour le coup. Okay. Et je ne pourrais pas, grâce à l'automatisation de Power BI directement dans le desktop, comment je pourrais venir aller chercher l'information en JSON? On va y aller voir. Donc, dans Power Query, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah tiens, quelque chose de très simple. Je vais me connecter ici à mon API, il va me sortir un JSON. Je ne vais pas vous faire voir comment je décode le JSON, mais c'est très simple. Et donc, je suis en capacité, en temps réel ici, de venir faire une lecture de JSON. Alors, on va faire un test, tant qu'à faire. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire comme test. Ici, je viens récupérer des états, un niveau d'une ampoule, par exemple, etc. Je vais vous donner un exemple, ici. Je vais donc vous faire une petite démonstration pour vous dire que c'est du temps réel. Pour l'instant, quand j'actualise mon jeu de données, j'ai des informations, tous mes IoT sont en mode off. Okay? Je vais donc vous ouvrir ici sur votre écran, vous devriez voir une ampoule clignoter en rouge. Okay? Ça veut dire que si j'actualise ici, hop, j'ai instantanément mon statut de mon ampoule qui est passé en true. Okay? Et par exemple, je vais changer un peu l'intensité de mon ampoule, vous voyez qu'elle réduit. Ici, dans mon intensité, dans ma brillance, je vais avoir un paramètre qui bouge. C'est-à-dire que je suis bien connecté en temps réel. Pourquoi j'ai pris une ampoule? Parce qu'il était difficile dans mon bureau de mettre une machine d'impression. Ça ne rentrait pas. Donc j'ai pris des ampoules. C'est exactement la même démarche. Donc je me suis dit, bah, ça c'est bien. Le problème, c'est que bah, je vais devoir appuyer sur un bouton à chaque fois comme ça pour récupérer la donnée. Pas très efficace. Vous le savez, dans Power BI, ici, on a. Et de façon très native, d'incorporer ici du code R. Okay? C'est-à-dire que ce code R, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'à chaque fois, alors je vais rentrer dedans, dans ce code R ici, je vais lui dire que ben, ma source, c'est mon JSON, et qu'à chaque fois que cette source se met à jour, ça va venir, alors je vais pas forcément rentrer dans le détail du détail du détail, mais globalement ici, je viens exécuter un code R qui vient écrire nativement dans une base SQL sur Azure. Okay? Je vais prendre un exemple. Faisons un exemple. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ici, je vais appuyer sur le bouton actualiser, okay, je vais regarder un peu ce qui se passe. Il va me faire pas mal de choses. Il va aller chercher mon JSON. Il va tourner. Donc là, petit temps de latence, ce n'était pas voulu, mais je pense que voilà, la bande passante galère un petit peu. Et vous avez bien vu que mon ampoule 1 est allumée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, dans la puissance 123, si je remets par exemple ici une lumière, bah tiens, je vais rentrer dans le détail et je vais changer un peu son statut, je vais la mettre en vert. Donc la couleur, la puissance devrait changer. Si je réactualise, vous remarquerez bien que je récupère bien le JSON dans Power BI, tout va bien. OK? Puissance, couleur, ça change. Et que mon nombre de lignes injectées dans ma table a fonctionné. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que mon script R vienne récupérer le résultat du JSON et à chaque fois va venir me l'inscrire dedans. Ça veut dire que sur Azure, ici, là, dans mes tables, je passe ici volontairement, ça veut dire que dans ma table qui n'est pas sur Azure, d'ailleurs, je l'ai mis sur un autre modèle, autant pour moi ici, c'est pas, peu importe où elle est d'ailleurs. Ici, eh bien, dans mon R script, je vais venir vérifier un petit peu ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Boum. Ici, je vais tout simplement rapidement aller venir compter un nombre de lignes. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ici, pour l'instant, je suis à 12 lignes. Si je retourne dans mon Power BI, que je réactualise, le script va bien venir m'écrire les 5 ou 10 lignes dont j'ai besoin. Et en théorie, ici, si je réexécute, je suis passé à 12 lignes. Ça veut dire, eh bien, historiser de la data. Et alors, donc, il m'est venu une idée intéressante. Je me suis dit, bah, alors ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait que quelqu'un appuie sur l'actualisation automatique dans Power BI Desktop, mais on avance dans la démarche, on avance. Et ce qui m'intéresse, c'est de se dire, bah, ouais, au lieu de commencer à sortir le bazooka pour casser des noix, vérifions rapidement si derrière, j'ai vraiment un intérêt. Combien de fois l'utilisateur dans l'entrepôt, le directeur d'exploitation, ou peu importe qui c'est derrière, a besoin?
Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'à chaque fois ici que j'atteins lui et que j'appuie sur le bouton, je sais qui a demandé l'actualisation et à quelle heure. Donc on peut aussi utiliser ce script R dans Power Query pour, dans Power BI dans Power Query pour aller écrire dans une base SQL, ou pas d'ailleurs dans une autre base, et de savoir qui a demandé une actualisation. Ça permet de faire comment dire, des statistiques de demandes d'actualisation, etc., avant de faire des choses un peu plus abouties. OK? Bon. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon, pas mal, j'ai une gestion de mes traces, etc., mais ça devient un peu manuel. Donc, je me suis dit, on va partir encore dans une autre stratosphère, qui est ici, en fait, je vais contourner la limitation, entre guillemets, d'SQL, de Power Automate avec PS5000 exécutions. Le R, c'est pas mal, mais c'est compliqué. Donc j'ai fait le choix de passer par des connexions directes query sur SQL et j'ai déporté le problème. J'ai mis ça dans une base SQL par des triggers. Et à chaque fois que j'ai une modification sur un IoT, le trigger se déclenche dans SQL et vient alimenter mes tables. J'ai plus de limitation. Alors oui, j'ai le droit. Je suis passé hors outil Power Platform. J'ai le droit, c'est pas grave, tout va bien. OK? Et donc, ce que je me suis dit ici, c'est comment je vais pouvoir analyser cette donnée qui va arriver, hein, par des procédures stockées ici dans une table. Je vais avoir toute une suivi de consommation par des triggers qui vont alimenter mes JSON. Je ne vais pas vous faire voir le code SQL. Je n'ai pas envie de vous faire peur pour l'instant. Ce n'est pas le but de l'opération. Le but, c'est de vous dire, OK, une fois que j'ai une volumétrie importante, comment je vais pouvoir travailler ça dans Power BI? Donc, j'ai réglé le problème de l'injection. Maintenant, c'est comment je la travaille. Beaucoup de rapports Power BI me sortent des énormes tableaux, beaucoup font des tableaux, etc. Moi, j'ai voulu présenter un petit peu différemment. Ce tableau de bord-là que vous voyez ici, hein, c'est un REX, il était à destination du directeur de production. En gros, il voulait savoir un petit peu comment se comportait son parc. Alors, on lui a présenté d'une forme un petit peu originale, ici, et lui dire, bah, tiens, quand je vais cliquer, par exemple, sur cette ampoule, eh bien, j'aimerais avoir l'information de l'ampoule, quel est son nom, son modèle, son firmware, la date de mise à jour, son statut, etc. Une façon différente un peu de présenter, au lieu de faire des tableaux compliqués, on peut présenter ça comme ça. On peut aussi présenter d'une forme un peu plus technique, d'avoir un espèce d'inventaire de mon parc avec les dernières mises à jour, etc. Donc on peut faire des choses assez intéressantes, tout ça branché en direct query. Pour ça, c'est de la presse. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est par rapport au management aussi visuel, parce que c'est aussi un petit peu le terme, c'est comment je peux booster ça aussi avec le management visuel. Eh bien, ça va voir un peu ce qui se passe. On va faire un petit test. Je vais donc reprendre ici mon écran avec ma petite vidéo. Je vais tout simplement ici venir éteindre mon ampoule à distance et je vais voir un peu ce qui se passe. J'ai utilisé quelque chose. Alors oui, c'est une fonctionnalité qui n'est disponible qu'en premium. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais vous. Alors, avant de continuer, il y a une question de Sylvain. Non, ce n'est pas du synaptique, pas du synoptique. C'est un visuel ici que j'utilise qui s'appelle le Card Browser, qui est un petit peu sympa à paramétrer, il faut prendre un petit peu de temps, mais le Card Browser permet de répondre à ce genre de problématique. Voilà Sylvain, pour la petite question. Je reviens à ma consommation en temps réel. Pour faire ça, donc je suis en live connection, en direct query, j'ai donc besoin d'avoir un rafraîchissement dans Power BI. J'ai donc utilisé une option qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui l'est un petit peu tout de même, hein, qui est assez récente quand même, qui est l'actualisation automatique, on en a parlé tout à l'heure. Et donc je lui ai dit, en fonction, attention, en fonction de la capacité de votre espace premium, etc., je lui ai dit, moi ici, je veux aller que tu viennes consulter la base SQL toutes les 5 secondes pour aller me faire du temps réel. OK? On va faire un petit test. Ça veut dire qu'ici, sur ma prise 1, j'ai branché une ampoule numéro 1. Je vais donc l'allumer. Nous devrions voir dans quelques instants la courbe du numéro 2, là, de la prise, commencer à évoluer. C'est-à-dire qu'ici, le temps qu'il aille rechercher l'information, la courbe, boum, vient d'exploser. Ça veut dire que maintenant, si j'allume une ampoule numéro 2, et là, volontairement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer en blanc. D'accord? Le deuxième graphique qui est ici, lui, devrait aussi interagir dans un relais de 5 secondes. Boum, il me dit, waouh, attention, ça consomme fort. Ça veut dire que je peux donc avoir, grâce à ça, à Power BI, des consommations en temps réel via de l'IoT, etc. Si je diminue mon intensité d'ampoule, bien évidemment, vous l'aurez compris, elle va moins consommer. Et quasiment dans les 5 secondes qui vont venir, quasiment instantanément, ma courbe de mon document numéro 2, elle-même, diminue. OK? Donc ça, c'est franchement aussi intéressant. Et donc, deuxième approche, je me suis dit, mais attention,
Ça rejoint mon introduction de ce tout à l'heure avec mon paramètre dynamique en M. Parce que là, dans ma table, j'ai 1,5 million de lignes d'historique. Donc en direct QRI, si à chaque fois, toutes les 5 secondes, je viens consulter 1,5 million de lignes, qui en plus exponentiellement dans le temps va grandir, je risque d'avoir un petit problème de performance. Donc, je me suis dit, on pourrait peut-être utiliser des fonctions d'agrégation. Non, aussi j'aurais pu le faire, mais non, parce que je suis déjà en direct QRI et toutes mes connexions sont en direct QRI. Donc, j'ai déporté le problème, encore une fois, c'est que je suis venu ici créer dans ma base ici Azure, des vues, dans ma base Azure ici. J'ai simplement créé des vues où je lui dis, tu vas me ramener à chaque fois les 50 dernières lignes. Et c'est cette requête ici que je vais venir consulter et les 50 dernières lignes vont venir alimenter mes dashboards toutes les 5 secondes. Okay? Pour éviter toujours dans cette optique d'avoir un temps de performance toujours le meilleur. Ça, c'est vraiment important. Okay. Troisième chose, il me dit, ce qui serait intéressant, Guillaume, aussi, c'est que maintenant, grâce à ton bazar, là, tu me donnes, on va changer d'écran, tu me donnes un dashboard en Power BI dans un espace de travail où ici je vais avoir des visions, un rapport synthétique de mon atelier par exemple ici, qui va me donner, donc vous retrouvez mes premiers onglets ici, qui va me donner par exemple la répartition du temps de fonctionnement. Alors je vais laisser se connecter en web, ok? Et là, on a utilisé un visuel intéressant parce qu'on a une information en temps réel qui remonte. Et donc, je suis capable de lui dire, aujourd'hui, par exemple, sur cette prise-là ou sur cette prise-là, je viens te donner, graphiquement, le temps d'arrêt ou le temps d'exploitation de tes prises. Chaque instantanément, sur telle période, il a fonctionné autant, elle autant, etc. Et je suis capable visuellement d'avoir une espèce de gestion de mon pack. Mon parc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des machines d'impression dans mon cas, ça peut être des véhicules, ça peut être des objets connectés. Et donc, de lui dire, tiens, pourquoi moi, ici, dans chef d'atelier, ici, j'ai un endroit, j'ai un laps de temps dans cette semaine-là où j'ai eu un jour complet d'arrêt machine. Je retourne dans mes stats, je sors une statistique, boum, pourquoi? Parce qu'il y a eu un aléa, etc. OK? Voilà l'une des façons aussi de pouvoir faire des choses très synthétiques avec des outils. Bien évidemment, on peut le faire de façon beaucoup plus cyclique, beaucoup plus macro, sur un mois, une année, avec des choses intéressantes et à voir ici comment a fonctionné mon entrepôt avec les aléas, etc. Bon, maintenant que j'ai fait ça, cool. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de se dire comment je pilote. Là, je remonte l'information, mais comment moi maintenant je pilote ici dans ce document, ou d'ailleurs je pourrais prendre aussi celui de droite, mais peu importe. D'ailleurs, on va le faire avec celui qui est sur le web, ça marchera très très bien. Comment je vais ici pouvoir piloter dans celui-ci? Comment je vais pouvoir piloter ici mes appareils? C'est comment je vais pouvoir le faire. Alors, j'ai créé une apps. Pour faire quoi une apps? Eh bien, tout simplement pour que cette apps, en fait, viennent via un plan. Donc là, pour le coup, effectivement, ce sont des visuels personnalisés. Eh bien, grâce à ce plan ici, je vais pouvoir me intégrer directement une Power Apps dans Power BI. Alors, je vais vous faire voir, tout simplement. J'ai simplement ici été développé une apps, plutôt un petit peu aboutie pour le coup quand même. À quoi cette apps que vous ne voyez pas parce que je ne suis pas sur le bon écran, a priori. Voilà, je vais changer d'écran, ça sera mieux. Pardon. Voilà, c'est celui-ci que je voulais vous faire voir. Et donc, je reviens ici dans mon Power BI. J'ai intégré une apps directement dans Power BI. Comment j'ai fait ça? J'étais simplement développé une apps sur Power Apps. Okay. Cette apps va me servir à piloter grâce à des flux Power Automate mes appareils. Je vais vous donner un exemple. Ici, on s'est dit, tiens, je vais faire un test lumière. Et puis, j'aimerais que toutes mes lumières de mon entrepôt, quand matin, les mecs arrivent, par exemple, j'ai une bêtise, alors j'ai fait un truc grossier pour la démonstration, et bien que toutes les lumières se... Alors, il y a quelqu'un qui a déclenché son micro, ça serait bien qu'il me le coupe, merci beaucoup. Par exemple, ici, je vais pouvoir piloter toutes mes lumières d'un coup. Si j'appuie sur ce bouton-là, vous devrez remarquer que sur mon écran, j'ai bien mes 4 ampoules qui se sont mis en bleu. Si, par exemple, ici, je veux les mettre dans une autre couleur, je n'ai qu'à appuyer sur mon app, vous voyez qu'en temps réel, ça pilote bien mes ampoules. Okay, alors, je vais reprendre 2 secondes, excusez-moi. Quelqu'un qui a mis son micro, donc je vais me permettre de couper le micro des participants, je ne sais pas qui, hop, et je vais faire couper, voilà.
Parfait. Vous m'entendez toujours en théorie, je pense. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc ici, vous avez vu, la possibilité de piloter ça. Donc l'apps permet de faire grâce à du flow. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans Power Automate. Bien, tout simplement ici, j'ai créé des flows qui me disent, eh bien, je vais pouvoir allumer grâce à un flow plutôt simple. Donc j'ai envoyé un certain nombre ici de variables qui sont nécessaires au fonctionnement de l'API, tout simplement. Okay. Et puis, ben, je vais envoyer cette instruction à mon API, je vais attendre son retour, et quand j'ai reçu son retour, ici, je renvoie l'information à Power Automate comme quoi il peut continuer à faire fonctionner l'application. Très simple. Je vais donc ici venir éteindre toutes mes lumières d'un coup. Très bien. Je reviens dans mon apps. Cette apps, qui est ici, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de venir quand même ici, l'incorporer dans un Power BI, ici, dans mon apps. Donc, je viens intégrer grâce au nouveau visuel que vous connaissez, je pense, très certainement, qui est le visuel Power Apps directement dans Power BI. Alors là, apparemment, il ne veut pas, donc je vais continuer sur le web. J'ai intégré directement mon application Power Apps dans Power BI pour qu'il puisse piloter mon rapport. OK ? Comment ça marche ? On va essayer de le faire très simplement. Je reviens dans mon rapport Power BI. J'ai donc ici intégré mon apps. Je vais prendre un exemple. Ici, le plan me représente graphiquement, hein, ici, l'emplacement de mes machines. Prenons un exemple. Je vais donc ici, par exemple, cliquer sur une ampoule. Okay. Cette ampoule vient me filtrer mon apps. Attention, Power Apps ne peut pas filtrer un rapport Power BI. En revanche, Power BI vient filtrer l'apps. Et là, grâce à ça, je sais que cette ampoule, c'est l'ampoule numéro 1, je connais son ID, je connais pas mal d'informations, et je vais donc pouvoir entrer dans l'apps. Et donc, lui dire, bah, OK, moi, je suis chef d'atelier, OK, en temps réel, je vais donc pouvoir ici faire quoi? Et bien, tout simplement lui dire, OK, j'ai besoin de lui dire, mince, cette machine-là, alors j'ai fait sur une ampoule volontairement pour la démonstration, cette ampoule-là, je vais pouvoir, via l'apps qui va appeler Power Automate, qui va appeler mon JSON de mon API, qui me renvoie ça dans mon Power Automate et qui me renvoie à Power Apps, lui dire simplement, je déclare une panne. En théorie, si ça marche, j'ai une ampoule qui devrait clignoter en rouge, enfin se mettre en rouge. D'accord ? Vous avez vu qu'en temps réel ici, le statut de l'ampoule a bougé. Si je le passe en maintenance, quasiment instantanément, et d'une part, l'ampoule clignote, et d'autre part ici, le statut a bougé. Ça veut dire que Power Automate, Power Apps peut aussi forcer la mise à jour de Power BI. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai créé différents statuts. Ici, je peux faire clignoter une ampoule, par exemple. Là-bas, on peut aller beaucoup très, très loin là-dedans. Ça, c'est intéressant. Et vous remarquerez en haut, qu'ici où il y a ma souris, j'ai un bouton d'auto-refresh. Vu que je fais un bouton d'auto-refresh, ça va aussi forcer la mise à jour dans Power à faire un flux Power Automate et donc toutes les X secondes à venir vérifier le statut. Donc on peut aussi forcer de la mise à jour comme ça en temps réel. Je vais venir éteindre mon ampoule. Okay ? Dans le même principe ici, si je prends non pas une ampoule par exemple, mais plutôt une machine sur laquelle je vais simuler de la consommation. Alors ici, je vais prendre par exemple la prise numéro 1, allez par hasard, et je vais ici aller allumer une ampoule volontairement pour consommer, pour entre guillemets, on va dire, faire en sorte que la machine consomme de l'énergie, vous voyez qu'en temps réel ici, mon baromètre bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vraiment l'interconnexion totale. J'ai du apps, du flow, du Power Automate, du SQL et tout ça en temps réel. Ça veut dire que si je change la partie consommation, boum, ici la consommation en temps réel, elle va pouvoir bouger aussi elle-même. Donc on a vraiment des choses qui sont complètement interconnectées. Et ce qui est très intéressant là-dedans, bien évidemment, c'est de se dire, bah, si l'utilisateur final, je reviens ici sur mon exemple d'ampoule, il me dit sur cette machine, par exemple, je vais rentrer dans cette machine et je vais déclarer quelque chose. Ce qui serait assez marrant, c'est de faire interagir ça avec Teams. Comment ? Allons voir. Je vais donc ici ouvrir un Teams. Alors, je ne sais pas si ben, je l'ai fermé, quoi. C'est pas grave, je vais ouvrir un Teams, pas de problème. Et ici, dans ce Teams, ce qui serait intéressant, c'est qu'il m'envoie des cartes directement via le Teams, directement ici dans mes équipes.
Et dans l'équipe ici, alors là, je suis sur pas le bon, c'est pas celui-ci que je voulais, mais c'est pas très grave. Ah, je suis pas sur le bon. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire voir parce qu'il s'est connecté sur pas le bon compte. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va pouvoir envoyer des notifications à Teams, OK, pour dire attention, tel user a envoyé sur telle machine telle information d'aléa, etc., etc. Donc, on a encore cette interconnexion avec Teams d'envoyer. Alors, je vais essayer de vous le faire voir dans le flow, hein, globalement. Okay. Et ici, dans le flow, eh bien, on est capable, très, très simplement pour le coup, quand on fait un flux d'alerte, on récupère toujours cette même logique, et de pouvoir envoyer ici dans les flux d'alerte, c'est pas ici que je voulais le faire, pardon, d'envoyer ici directement dans le message de Teams, directement après coup, lui dire Power Apps a vu qu'il y avait une alerte, il vient récupérer le nom et vient poster ici dans Teams le message qui va bien. Alors c'est un peu dommage que je ne puisse pas vous le faire voir, sauf à faire ça, mais c'est un peu risqué, on va le tenter quand même. J'aurais quand même voulu vous faire voir ici ce qui se passait. Hop, je vais le tenter, vérifiant que ça fonctionne. Voilà. On va attendre qu'il me déconnecte partout. Donc, je risque d'être connecté du reste, mais ce n'est pas très, très grave. Ce que je vais vous faire voir, c'est cette interconnectivité des informations. Je vais donc repasser pour l'instant en gogo ça pendant qu'il essaie de se connecter. Je vais me reconnecter pendant ce temps-là pour pas que vous ayez le mal de mer dans les écrans. Et je finirai par une dernière démonstration. Boum. Voilà. Accordez-moi encore quelques secondes. Il est en train de se connecter. C'est en train de se faire. Ce n'était pas prévu hein, qu'il prenne le mauvais, qu'il prenne le mauvais login. Ce n'est pas gênant en soi. Et une fois qu'on a fait tout ça, je vais pouvoir me permettre de vous faire la démonstration dans Teams pour vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé. En théorie, ça devrait fonctionner. Voilà, je pense qu'il est en train de se faire ou pas. Bon, il n'a pas envie. Donc, je ne vais pas vous le faire voir, tant pis. Par contre, ce que je vais vous faire voir maintenant, c'est une dernière chose, c'est de se dire, OK, ce qui serait bien aussi. Vous savez tous que sur Power BI et Power Automate et Power, oui, Power Automate, on peut bien évidemment le piloter via mobile. Donc, ce qui serait intéressant, c'est aussi de développer quelque chose de plutôt simple et de dire à notre ami Power Automate sur mobile de déclencher ce genre d'information. Okay? Donc, je vais essayer de faire quelque chose maintenant. Voilà mon écran de gauche. Je vais donc ici. Vous partagez, en théorie, ça devrait fonctionner. Voilà. Vous devriez voir mon écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir aussi qu'on peut piloter via un smartphone, un mobile. Voilà. Je suis dans l'application mobile de Power Automate. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai déclenché ici des boutons d'action. Alors là, il y a quelques. Bon, non, je ne vais pas noter pour l'instant Power Automate. Et ce qui serait intéressant, c'est que simplement le fait. Si sur un mobile, quand je suis dans un entrepôt, par exemple, j'ai déclenché une alerte, je veux que mon responsable la désenclenche, entre guillemets, eh ben, je n'aurai plus qu'à appuyer sur ce bouton-là, sur le mobile, pour qu'en théorie, ça devrait marcher, ça devrait allumer les ampoules, ou pas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. A priori, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait dû fonctionner, mais je sais pourquoi, parce que j'ai à me déconnecter. Et donc ici, on est capable de pouvoir piloter des ampoules à distance directement depuis aussi un mobile. Okay? Voilà globalement ce que je voulais vous faire voir, Max, sur cette partie. Disponible dans le chat maintenant s'il y a des petites questions, parce que j'aime bien finir sur les questions-réponses. Je vais regarder un petit peu s'il y en a. Y en a-t-il? Est-ce que Jean-Pierre et Tristan, je vois que vous êtes toujours là, y a-t-il des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Si ce n'est pas le cas, eh ben, je pense avoir fait le tour. En tout cas, moi, non, parfait. J'espère que cette session elle vous a plu, parce que je voulais vraiment vous faire voir ce Rex complet. N'oubliez pas qu'il y a les prochains meet-up. Connectez-vous sur le site Club Power BI, sur nos sites Meetup, parce que les prochains Meetup, il y en a un tous les 15 jours, ils sont d'une qualité extraordinaire. On a plein de sujets qui vont arriver. On a plein de nouveautés encore à vous faire voir. S'il vous plaît, allez-y, donnez-nous votre avis. Dans le chat, là, il était ici. Ah, attention, Jean-Pierre a une question que je vais devoir vraiment y répondre. C'est important. Je l'écoute. Ouais, en fait, c'est la synthèse que je dois faire là justement pour un case client. Donc sur l'APR, hein, l'automatique page refresh, on avait la question sur quel niveau de perf il fallait avoir derrière parce que donc le client n'a pas de premium, donc on réfléchit à une embedded en fait, hein, donc une C'est EM1, exactement une ça. EM2 ou une EM3. Ouais. Et en fait, on ne sait pas si par défaut, si on fait rien, donc tu vois, j'ai juste un modèle avec
avec de l'APR toutes les secondes ou toutes les 5 secondes. Qu'est-ce que ça prend en fait? Est-ce qu'une EM1 est suffisant ou, et combien de pourcentage de la perf ça prend en fait? Alors ça c'est une super question. C'est une super question. Alors je vais me connecter dessus. Je vais me faire paramètre de l'espace s'il me l'autorise. Voilà, ici, je vais partager mon écran. Je suis en train de me reconnecter parce que tout à l'heure, bien évidemment, il m'a jeté. Voilà. Ici, je vais retourner sur mon écran de gauche avec ma petite vidéo. Coucou. Effectivement, Jean-Pierre, merci. Moi, je n'ai pas pris un Power BI Premium pour des raisons peut-être financières, mais pas que. J'ai pris du Power BI Embedded. Alors, j'ai pris un Power BI Embedded. Alors, je vais regarder la capacité qui est ici. Moi, j'ai pris un A3. A3, pourquoi? Parce qu'effectivement, la capacité de rafraîchissement du A3 ne va pas te permettre ici, alors je vais re-rentrer dedans, d'avoir ce niveau. Après, tu as des niveaux de rafraîchissement de 10, 15, 20 secondes, etc. Et en fonction de ce que tu choisis, tu ne peux pas le faire. Tu as des limitations en termes de nombre de refresh. Un peu d'ailleurs à l'instar de Power Automate sur le nombre de refresh par jour. Et donc ici, dans la capacité, moi j'ai pris un A3 parce qu'il répondait à mon besoin. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, il faudrait qu'on aille voir ainsi les capacités qui sont dedans. Je ne les ai pas toutes en tête, Jean-Pierre, mais effectivement, le choix va se faire notamment sur la capacité ici de l'actualisation que tu veux donner derrière. Moi, dans mon cas de figure, le 5 secondes par jour, le A3, il répondait. Alors, je ne sais pas, le 1, en fait, tu me dis qu'un 1, c'est environ une par heure. Ben voilà, je n'ai pas l'info en tête, donc c'est une bonne question, mais attention, ça reste du pseudo Power BI Premium, c'est du Embedded. Ça peut avoir un coût supérieur. Ça, c'est important aussi de le préciser. Voilà. Merci pour toutes vos réactions dans le chat. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à l'enregistrement. Mais par contre, pour le coup, je reste connecté pour les autres questions. Rien de particulier. Je mets fin à l'enregistrement. Merci en tout ça. En tout cas, à tous et rendez-vous il y a quelques jours maintenant pour le prochain club Power BI. Et je vous dis, prenez soin de vous, j'enregistre, mais je reste connecté. Voilà, l'enregistrement est arrêté.